Bienvenue aux uns et aux autres en cette rencontre, en ce culte, c'est le terme qu'on utilise, et encore, pour un certain temps, à distance les uns avec les autres. C'est vrai que nous avons peut-être perdu l'habitude de bien nous habiller pour venir au culte, de nous préparer, de nous faire bien pour venir à cette rencontre les uns avec les autres et avec Dieu. Mais en fait, vous le savez, même si on se prépare le dimanche, il est là tout le temps, il est partout. Et c'est peut-être plus pour les autres qu'on se fait beau que pour Dieu, en tous les cas, en apparence. Et le culte, de la même manière, ce n'est pas que le dimanche, c'est tous les jours. Mais ce matin, c'est un rythme que nous avons de nous rencontrer tous les dimanches matins. Ce matin, je voudrais que nous puissions prendre un temps où c'est Jésus qui vient à notre rencontre. Je voudrais vous lire une rencontre de Jésus avec une femme en Jean 4, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, quand Jésus va rencontrer la Samaritaine. Je vais lire le début et puis la fin. Au début, on lit à partir du verset 3, « Il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Une conversation s'engage, les disciples ne sont pas là. Une conversation étrange sur l'eau. Et au fond, Jésus parle du Saint-Esprit que lui pourrait donner alors qu'il lui dit « donne-moi à boire ». Et ce Saint-Esprit qui pourrait la remplir la soif que cette femme a. Et puis à la fin, vers la fin de la conversation, pour des raisons culturelles et historiques dont je ne m'étendrai pas en tous les cas ce matin, mais d'autres moments pourquoi pas, elle lui dit ceci au verset 20. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous ne sommes pas obligés, alors que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas obligés d'avoir travaillé votre apparence. Ce qui compte, c'est d'être en vérité avec lui, d'être ensemble, quel que soit l'endroit où nous sommes, où nous en sommes, l'endroit de notre chemin spirituel, géographique aussi, là où nous sommes confinés, et que ce soit, de tout notre cœur et en esprit, même si chacun est dans son canapé ou ailleurs, ou dans son salon, que nous puissions vivre ce moment tous ensemble. Si vous nous rejoignez pour la première fois, que vous ne savez pas ce qu'est un culte, entre guillemets, évangélique, même si on n'aime pas les étiquettes, on le construit souvent comme ça. On introduit, on chante à Dieu des chants pour le remercier, lui parler de qui il est dans les paroles des chants. En fait, c'est ce qu'on appelle adorer en esprit et en vérité aussi par les chants. Et puis après, nous avons un temps de réflexion, une prédication autour d'un texte biblique, et nous essayons de découvrir ce que ça a pour nous. Alors c'est le moment du chant. Je vais prier, puis je vais laisser la place à
Hélène et Carole pour ce temps de chant, que nous puissions le vivre même séparément, tous ensemble, en esprit. Notre Père, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a pas un lieu spécifique pour pouvoir te louer ou t'adorer, et que cette heure existait déjà dès la présence de Jésus, même si c'était il y a longtemps. Nous pouvons te prier, t'adorer, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, quelle que soit notre situation, que nous allions bien ou pas. Nous pouvons nous tourner vers toi, te prier, te chanter, regarder à qui tu es, et que ce soit un moment, Seigneur, qui nous fasse du bien, qui nous apaise et qui nous aide à aussi nous détendre pendant cette période assez compliquée et confuse. Au nom de ton Fils. Amen. Bonjour à tous. C'est un plaisir de se revoir, enfin, de que vous puissiez nous revoir, parce que nous, on ne vous voit pas, mais on est ensemble quand même. C'est dommage. Et on est là aussi, on regarde le culte ensemble, donc on reste ensemble. Mais il y a aussi une chose qui est super, c'est que Dieu est avec nous aussi. Et c'est vraiment une grâce et un vrai plaisir de pouvoir passer notre quotidien avec Dieu. Et c'est aussi une grâce de savoir que Dieu, il nous aime. Et que son amour, il est infini, il durera toujours. Et ce premier chant que nous allons faire, c'est « Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à toujours ». Donc on va chanter et on va remercier Dieu pour son amour, pour sa fidélité et que vous puissiez passer un moment de louange en famille ou tout seul chez vous. Shut up!
On veut louer notre Seigneur parce que, justement, il est Seigneur. C'est notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Que nous puissions le mettre à la première place, que ça soit, qu'il soit notre priorité dans la vie de tous les jours et pas qu'en ce dimanche matin. Et ouais, l'heure est arrivée, il est Seigneur, il a vaincu la mort, on l'a fêté il y a 15 jours maintenant. Il est vainqueur, il a vaincu la mort et il vaincra la mort, nous serons un jour avec lui. Et on veut vraiment vous partager cette espérance ce matin. Il est Seigneur. Le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé et le jour de portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Salut de Jésus-Christ brillait sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué. C'est vrai, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu, parce que tu vas venir, tu viens. L'heure est arrivée où c'est un moment de vérité. C'est vrai qu'il a sonné de l'avènement de sa lumière. Et c'est vrai qu'un jour, tu viendras nous chercher. Et c'est vraiment une espérance vivante, une espérance de joie. Et merci, Seigneur. Je veux vraiment te remercier, te louer et t'adorer, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu et tu es le Dieu de l'impossible, tu nous aides chaque jour, tu nous protèges, tu nous soutiens chaque jour. Et Seigneur, nous voulons tout simplement te dire merci ce matin. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci Seigneur. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, secours est en toi. Restore mon sang.
mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je m'enclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours et ton Dieu. Tout est en toi, victoire, mon espoir, ton chemin. Ton salut, mon refuge, tout est en toi. Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin. Ton salut, mon refuge, tout est en toi. Victoire, mon espoir, ton chemin. Bien, j'espère que ces chants vous ont fait du bien, passé un moment, vous ont fait passer un moment agréable. Ce fut le cas pour moi. Les paroles étaient encourageantes et parfois on respire. Juste en écoutant les chants, même sans chanter, on respire. Et la respiration est nécessaire, notamment pendant cette période. Et la semaine dernière, j'ai vite fait, comme ça, citer un verset qui méritait que l'on s'y arrête un peu plus. Je ne m'en sers juste comme introduction, mais je voudrais compléter. C'était un verset qui expliquait qu'il n'y a pas que le corps. Jésus avait dit ceci en Matthieu 10, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire mourir, périr, l'âme et le corps dans la géhenne, ou en enfer, ou selon vos traductions, dans un endroit pas terrible, on va résumer comme ça. Et que la priorité, plutôt que de à tout prix éviter de mourir, même si nous devons prendre soin de notre santé, la Bible en parle aussi, il y a cette idée que notre âme pourrait périr, qu'il y a une âme, quelque chose au fond de nous qui pourrait périr, cette chose au fond de nous qui parfois nous fait soupirer, nous fait languir, n'est pas forcément toujours réjouissante ou joyeuse. Et nous allons prendre un temps pour pouvoir nous concentrer sur qu'est-ce que Jésus veut. À d'autres moments, Jésus dit à ses disciples, parce qu'ils ont voulu envoyer la foudre sur un village de Samarie, c'était peut-être le même village que Sichar tout à l'heure, il leur dit qu'il n'est pas venu pour juger, en tous les cas pas sur sa première venue, mais pour sauver. Il ne veut pas que notre âme périsse, il veut nous sauver. Et je voudrais que ce matin, nous arrêtions sur trois versets, une parabole de trois versets. Et on va faire un jeu pour que vous deviniez le chapitre.
Donc vous pouvez prendre soit sur YouTube, soit sur mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un SMS quand vous avez trouvé. Je vais aller lentement et je vais vous donner des indices. Le premier indice vous servira à rien, mais j'ai envie de le donner. C'est le premier chapitre que j'ai ouvert la première fois que je suis allé dans un groupe de maison. On appelait ça discussion sur la Bible. Vous voyez, là, ça parle à personne. Ce chapitre contient trois paraboles. Il y a une parabole pour le Fils, une parabole pour le Père et une parabole pour le Saint-Esprit. Comme la plupart des paraboles, Jésus les donne parce qu'il s'est fait sermonner par des responsables religieux d'un reproche qu'on lui faisait souvent, de manger avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. Donc déjà, ça limite l'endroit dans la Bible où vous pouvez le trouver. Parce que, et ces gens ne supportaient pas de voir Jésus manger avec des gens peu recommandables, pas dignes. Alors qu'il y avait des gens qui priaient pour la nation, qui allaient au temple, eux. Ça, c'est des choses parfois qu'on peut entendre encore. Et en plus, ces gens respectaient les normes, les procédures de l'époque. Dans cette parabole, là, je sens que vous allez y arriver très vite, il y a un balai. Je vous dirai à quoi il sert après. Dans cette parabole encore, je ne l'ai pas prise, mais il y a une lampe. Vous avez trouvé ou pas? Allez, je donne un dernier indice. Dans cette parabole, il y a une pièce en argent. Ça y est, les connaisseurs ont trouvé. Bon, je pense que vous y êtes déjà, donc j'ai plus besoin de vous dire où. Et je vais vous la lire. Non, je blague. En Luc 15, c'est, puisqu'on a le droit d'avoir des préférences, toute la Bible est importante, mais mon chapitre préféré, c'est Philippiens 2, après c'est Colossiens 2, et après c'est Luc 15. Et voici ce qu'on peut lire en Luc 15, à partir du verset 8, après qu'il ait parlé de la parabole du berger qui a perdu une brebis et qui est parti chercher après la brebis égarée, alors qu'il y en avait 99 qui n'étaient pas égarées. Et il disait qu'il y avait plus de joie dans le ciel pour une personne qui lui demande pardon et revient à lui, que pour 99 qui n'ont pas besoin. Et voici la parabole du verset 8. Or, quelle femme, ou quel homme, hein, ça peut aussi arriver aux hommes, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume pas une lampe. J'allume ma lampe. Ne balaye pas la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Toute simple. Je l'ai dit en introduction, puisque la parabole qui suit, c'est la parabole du fils prodigue et du père qui accueille, et que la première, c'est le bon berger, c'est Jésus. Même si certains peuvent considérer que la femme, c'est l'Église, il y aurait un bug. Je vous donne une petite information théologique. Même si l'Église doit rayonner, l'Église, ce serait donc la lampe. Et c'est le Saint-Esprit qui allume l'Église, entre guillemets. Même pas qu'entre guillemets, en tous les cas, ça vient de lui. Je reprends cette histoire. Franchement, moi, on peut connaître des dames ou des hommes qui, quand ils perdent quelque chose, vont chercher. Vont prendre le balai, parce que si c'est devant nous, il n'y a pas besoin de balayer. En plus, à l'époque, c'était pas du carrelage sur le sol, c'était de la terre, hein, donc il faut balayer. Une lampe pour chercher dans les recoins.
Là où on trouvera certainement moins de personnes, c'est avec soin. Quand on cherche quelque chose qu'on a perdu, il est possible que la frustration aille au-delà d'un plan stratégique pour obtenir, pour rechercher méticuleusement ce qu'on a perdu. Certains d'entre nous, pas tous, vont se mettre à chercher partout, à soulever, à repartir, à revenir, à repartir. J'ai fait exploser le débit image, mais à chercher pas avec soin et sans plan d'action. Ici, la parabole nous décrit une femme précise, soignée, qui cherche avec soin, et puis un autre point, avec détermination, jusqu'à ce qu'elle la trouve. C'est-à-dire, tant qu'elle ne la trouve pas, elle n'arrête pas. Ce qui va éliminer une deuxième catégorie de gens qui, au bout d'un moment, vont se lasser. C'est pas écrit dans la parabole, mais dans la parabole, la femme n'accuse pas le mari, ou le mari n'accuse pas la femme, ou les enfants, parce que forcément, ce n'est pas de notre faute quand on a perdu quelque chose. C'est quelqu'un qui l'a replacé, le touché, déplacé. Malheureusement, je pêche souvent dans ce genre d'attitude. Mais on finit par retrouver. Un dernier point, et là je crois qu'il n'y a plus personne. Elle récupère une grâce, une pièce en argent. J'ai pris une pièce de 5 francs en argent de l'époque Pompidou. 60, ouais, c'est l'époque Pompidou, De Gaulle-Pompidou. Aujourd'hui, elle vaut pas loin en fait, de 30, 40 euros, ce qui serait à peu près l'équivalent d'un drachme, parce que un drachme, c'était un dixième, non, c'était un salaire journalier. Quand on fait ça 40 fois 20, on est autour de... Oh, on n'est pas énorme, hein, on n'est qu'à 800 euros. Le SMIC est quand même un peu plus. Alors, on va dire 45 pour que ça tombe pile poil. Non. Peu importe, on y va, voilà. Je vous laisse un dixième, et c'est un dixième de ce qu'elle avait en poche. Donc, c'est... La première interprétation qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, c'était important pour elle qu'elle récupère cette somme parce qu'elle en avait besoin. C'est un dixième de ce qu'elle avait pour vivre. Et ça se comprend. Sauf que, et le sauf que, il est là. Il est assez surprenant. On a une joie bizarre que je ne retrouverai chez quelqu'un, chez personne, qui vient de retrouver un objet même important. Le premier sentiment, c'est le soulagement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, parce que vous avez retrouvé un billet de 30 ou 40 euros, d'aller parler à tous les voisins et de dépenser apéritif, en cas, pizza, et d'inviter tout le voisinage pour fêter ça? C'est-à-dire, vous retrouvez 30 euros, vous en dépensez 150. C'est pas exceptionnel d'un point de vue, comptable. Mais ça laisse entendre, puisque c'est une parabole, que la pièce qui était perdue a plus de valeur que ce que la société voulait bien lui donner. Que la pièce qui était perdue a plus d'importance aux yeux de la femme que le salaire qu'elle reçoit chaque mois. Que l'estime que la société a d'elle. On le voit aujourd'hui, certains se réjouissent que, et moi aussi je me réjouis que des gens qui n'étaient pas toujours mis en avant dans cette société puissent en ce moment être sur le front et que l'on félicite, que l'on remercie, à qui on donne beaucoup de reconnaissance en ce moment, et beaucoup de personnes qui en manquaient, qui étaient parfois maltraitées, soit par l'État, soit par le tout à chacun. Et ça nous rappelle aussi que, et c'est intéressant, il n'y a pas de travail qui vaille moins qu'un autre. Mais cette parabole dit beaucoup plus que ça. Je vais le ranger parce que j'ai pas perdu de pièce. Cette parabole nous dit beaucoup plus que ça. Cette parabole nous explique que
la femme n'a pas peur de dépenser bien au-delà de ce que, du coût de la valeur humaine. Nous valons, et parce que c'est ça, la pièce c'est nous, nous valons beaucoup plus que ce que nous entendons des uns des autres. Nous valons beaucoup plus aux yeux de Dieu qu'une pièce. Nous valons beaucoup plus que ce que même nous-mêmes, nous nous estimons. Et c'est encore plus fort si nous croyons que nous ne valons presque rien. Nous valons plus que la valeur de notre travail. Nous valons plus que ce que nous sommes capables de faire ou pas. Et c'est encore plus beau, alors que la brebis s'est égarée, c'était dans la première parabole, et que dans la troisième, le fils rejette volontairement le père, dans celle-ci, à la base, cette pièce, elle est sans âme. Un objet n'a pas d'âme. En tous les cas, c'est ce que je crois, c'est ma conviction, et c'est ce que la Bible enseigne. Dieu est le créateur de tout, mais tout n'a pas d'âme. Les objets n'ont pas d'âme. Et cette pièce est inanimée. Elle ne sait même pas qu'elle a été perdue dans un recoin. Parfois, et ça peut être votre cas si vous nous écoutez, vous ne savez même pas que Dieu vous cherche. Vous ne savez même pas que Dieu est en train de fouiller, de nettoyer, de balayer et d'aller se mettre à quatre pattes pour aller chercher sous un meuble, voir si pour venir vous chercher et vous réveiller dans au milieu de la poussière. Bibliquement, la poussière est souvent assimilée à la mort, mais cet objet inanimé, il est comme mort spirituellement. Il est sans âme. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu est capable de dépenser de façon d'exprimer au travers de cette parabole, mais dans les trois paraboles de ce chapitre, Dieu montre qu'il est beaucoup plus joyeux que ce que l'on pourrait croire, et qu'il est prêt à dépenser beaucoup plus que ce que nos actions méritent. Dans le fils brodique, son action ne mérite rien, il y a un repas festif. Dans la brebis perdue, elle ne mérite rien, elle s'est juste perdue. Elle s'est juste égarée. Elle n'a pas dû voir le troupeau partir, le chien de berger a peut-être pas remarqué, je ne sais pas. C'est qu'une parabole en plus. Néanmoins, cela montre que notre âme vaut beaucoup plus que ce que l'on croit. À tel point que l'apôtre Pierre dira ceci. En 2 Pierre 3, verset 9, ce sera affiché, ça va être affiché devant votre écran, qui dit ceci. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les choses ne changent pas dehors? Elles changent. Pas toujours en bien, mais elle change, et parfois en très bien. Comme quelques-uns le pensent. Et il dit la suite, Dieu use de patience envers nous. Et pourquoi il use de patience? Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas notre mort, certainement pas la mort de notre âme. Alors, pourquoi certains refusent quand même? Parce que il se peut que dans cette période un peu délicate où on entend parler de mort tous les jours, certains se tournent vers Dieu. Et Dieu va répondre. Certains ne se tournent pas vers Dieu, ils ne le connaissent pas, ils n'ont même pas cette idée. Et Dieu va quand même frapper à la porte. Comme cette pièce. Sauf qu'il y a quelque chose de différent entre cette pièce et nous. Si je prends cette pièce et que je la ramasse, elle a rien à dire, la pièce. Mais là, j'ai décidé de la mettre dans ma poche. Elle a pas de libre arbitre, elle a pas le choix.
Dieu ne se lasse pas de venir à notre rencontre. Mais nous avons la capacité de lui dire non et de lui claquer la porte au nez. Par cette parabole, il est important de se rappeler que si Dieu vient chercher une pièce qui ne sait même pas qu'elle cherchait Dieu, Jésus, qu'elle pouvait chercher Dieu, nous ne sommes pas toujours dans les bonnes dispositions quand Dieu vient nous parler. Parfois, nous ne sommes pas prêts. Même moi, parfois, j'ai envie de dormir et puis j'ai des versets bibliques qui m'arrivent, je dois me réveiller, puis je peux résister. On peut tous résister ou par fatigue, par lassitude, je ne sais pas, ça arrive. Mais il y a quelque chose que cette pièce ne peut pas faire et que nous permettons de faire, c'est de lui dire non. C'est pas ce que Dieu veut, mais c'est de lui dire non. Ce qui serait dommage, et c'est sur quoi je ne céderai jamais en tous les cas, c'est de s'en prendre à Dieu parce qu'on lui a dit non. C'est tellement facile. Maintenant, la question, c'est pourquoi avons-nous tant de valeur? Pourquoi va-t-il tant dépenser? Pourquoi exprime-t-il autant de joie? Je reviens à la pièce. À l'époque, alors ici, sur cette pièce, même si elle est de 1960, il y a marqué liberté, égalité, fraternité, puis il y a une Marianne, il y a marqué République française. En fait, il y a les marques qui donnent sa valeur et qui identifient à qui elle appartient. C'était la même chose à l'époque. La plupart des pièces étaient à l'effigie d'un empereur, d'un roi. Parce que, en plus, les rois savaient très bien que c'était une façon de faire leur propre propagande. Stratégie de com', il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas les journaux, donc il y avait des effigies sur les pièces. C'est comme ça que Louis XVI s'est fait choper. Hein. Il y avait sa tête sur sa pièce. Il a perdu la tête. Mais, je vais essayer de ne pas me rigoler. Mais il est bien de se rappeler que chaque pièce est une empreinte. Pourquoi Dieu vient nous chercher? Et avons-nous autant de valeur que ça? Parce que nous avons une empreinte. Et c'est pour ça que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Même franchement abîmés, même usés, avec un argent qui ne brille même plus. Ça brille plus, là. C'est resté dans un tiroir, ça brille plus. Il n'y a pas encore du vert de gris, mais ça brille plus. Nous avons toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Il sait ce que nous valons. Et cette empreinte, elle vient de notre Créateur qui est Dieu lui-même. Il nous a créés en image de lui. Le Père n'était pas seul. Il était avec le Fils et l'Esprit depuis la création. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. D'où la difficulté du confinement. Tout comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont des trois personnes qui créent, nous avons envie d'être acteurs, de créer, de faire des choses de nos mains, d'avoir une certaine estime de nous, de par ce que nous créons. Heureusement, notre valeur est beaucoup plus importante que la qualité de nos actions. Nous sommes destinés à aimer et à être aimés. Tout comme Dieu, nous ne supportons pas l'injustice. Ou la souffrance, ou la maltraitance, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Sauf que parfois, nous esquintons tellement notre âme que nous souffrons de moins en moins face aux injustices. Peut-être les nôtres, quand on nous agresse, nous, alors on réagit. Celle des autres, c'est un peu plus compliqué. Et peut-être qu'en se rappelant que nous sommes en image de Dieu, nous pouvons comprendre pourquoi parfois l'homme espère tant en l'homme. J'en ai dit quelques mots la semaine dernière, parce que l'homme a des capacités, il est en image de Dieu. Et l'homme génère des espérances. Des plus loin espérances. Mais l'homme est aussi désespérant. L'homme est capable de choses excellentes. Et cela révèle à quel point Dieu est excellent et n'est absolument pas avare dans les dons qu'il nous donne.
et dans tout l'amour qu'il veut nous donner. Cette femme dépense sans compter. Dieu dépense sans compter pour venir nous chercher, et surtout le jour où il nous retrouve. Mais dès lors que l'homme ne veut plus regarder à celui dont il est l'empreinte, ce qu'il fait est forcément terne. Parfois. Non. Certes, la lampe nous rappelle que nous sommes nous aussi appelés à être cette lampe qui brille pour les autres, à briller dans le monde et à pas cacher notre identité en Christ une fois que Dieu a commencé à venir nettoyer cette pièce. Peut-être que pour nettoyer, il lui rende tout son éclat. Il faudra du temps. Mais dès lors qu'on revient auprès de Dieu, notre identité se restaure, se renouvelle et se transforme. Mais surtout, n'oublions pas que Dieu veut la vie de notre âme. Parce qu'une fois que notre âme est sauvée, même si notre corps périt, notre âme vit. Et le jour où Jésus reviendra, il nous rendra un corps, cette fois-ci, incorruptible. Que Dieu nous fasse grâce, nous rappelle cette grâce, cet amour immense qu'il a eu de venir nous chercher, nous rappelle, même si nous savons que nous ne sommes pas à la hauteur de la façon dont il nous regarde, de l'amour donc qu'il nous porte, et nous ne méritons pas le regard qu'il porte sur nous, ne l'oublions pas. Et prenons-le en exemple pour chercher à aimer aussi ceux qui nous entourent. Mais aimer de la façon dont Jésus nous a aimés, c'est impossible sans lui. C'est impossible sans nous rappeler d'où vient l'empreinte qui est en nous. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous accompagne, je vais prier. Notre Père, accompagne-nous. Accompagne-nous dans cette vie sur terre, ce chemin, ce voyage. Permets-nous de nous rappeler que nous avons une valeur qui est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tout comme la joie de cette femme est pas compréhensible à nos yeux, la valeur que nous avons n'est pas toujours compréhensible à tes yeux. La valeur que nous avons à tes yeux n'est pas toujours compréhensible, Seigneur. Permets-nous de nous le rappeler, mais que nous n'ayons pas peur de regarder à toi, même quand nous savons que nous ne sommes pas dignes, parce qu'il n'y a que toi qui peut venir nettoyer l'intérieur, purifier la pièce, lui rendre sa dignité, son empreinte réelle, et que nous puissions revenir au propriétaire de nos âmes, toi. Amen. On va chanter, puis on se retrouve juste après. Choisis ton chemin,
j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus. Seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as parlé. Seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Je m'incruste pour la fin. Si nous avons compris que l'image de cette femme, c'est le Saint-Esprit qui vient nous chercher, il y a un autre texte, juste avant l'un de mes passages préférés, c'est le premier chapitre de Colossiens, au verset 13 qui nous dit ceci. Le Père, il nous demande de rendre gloire, grâce avec joie au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On a changé d'effigie. En qui ? Et on est maintenant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Même si c'est un royaume qui est en même temps est là et en même temps n'est pas de ce monde, rappelons-nous cela. Et rappelons-nous que c'est par la grâce de Dieu et par son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Que nous puissions, et là je fais marche arrière, je vais au verset 10, pendant cette semaine, marcher d'une manière digne de l'effigie, même si ça n'avait pas été le cas cette semaine, même s'il y avait eu des échecs, demandons pardon à Dieu, c'est par grâce que nous sommes avec lui, relevons-nous et puis cherchons à marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour lui plaire à tout point de vue. Et cette semaine, vous recevrez pour les groupes de maison un petit canevas qui correspond à ce passage-là, mais ce sera sur une autre parabole. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Je souhaite un bon dimanche. Et on finit avec un dernier chant qui est presque pas connu dans les paroles. Notre Père. À bientôt. Sois connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre
garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain, à toi seul. Dimanche à chacun, bonne semaine et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.